Les papillons de jour, donc c'est une entreprise adaptée et une agence de communication. On tient à être présent sur ce salon qui est important pour nous parce que au cœur de notre activité, on a vraiment à cœur de valoriser les compétences intellectuelles des personnes en situation de handicap. Et oui, il y a des agences de communication et qui sont entreprises adaptées. Aujourd'hui, les papillons de jour, c'est une équipe de 23 personnes. On travaille avec de grands groupes et de plus de petites entités sur tous les canaux de communication possibles. On fait du web, du digital, mais aussi du print, de la création d'identité visuelle, ou de la vidéo, etc. On fait également de la campagne de sensibilisation handicap. Donc, on connaît un petit peu ce que c'est, donc on sait en parler plus facilement et ça aide à briser les tabous et à lever un petit peu les freins de certaines personnes sur les personnes en situation de handicap au travail. Le salon est une source d'inspiration parce qu'on rencontre d'autres personnes du secteur adapté, donc c'est particulièrement intéressant et c'est riche en échanges. Et puis on rencontre effectivement des décideurs, des DRH qui nous rencontrent et qui voient un petit peu tout ce qu'on peut présenter en prestation. Ils sont parfois un peu surpris en fait de voir un petit peu que on peut faire des choses à haute valeur ajoutée. C'est vraiment un vrai lieu de rencontre et d'échange dans le cadre professionnel qui est très agréable pour nous aujourd'hui. L'agence grandit, ça pousse un petit peu partout. Aujourd'hui, donc, on a le siège à Rouen, une agence à Boulogne, un nouveau bureau qui ouvre à Ajaccio et du consulting à Bordeaux. Les papillons grandissent et on espère ouvrir des agences de plus en plus nombreuses sur tout le territoire français.